Quand je disais que ce pays ne doit pas être abîmé par ceux qui ont démontré leur incompétence, c'est parce qu'on dessine le futur. D'où j'ai pris cette expression Martinique nouvelle. D'où j'ai pris cette perspective obligatoire de ne jamais casser la dynamique de la transmission des valeurs. D'où j'ai pris cette obligation pour moi de penser le progrès, que le progrès soit le plus partagé possible. Ce ne sont pas dans un petit camp de personnes qui s'enrichissent au détriment de grand nombre, de personnes qui s'appauvrissent. D'où j'ai pris cette éthique des valeurs pour défendre bec et ongle des positionnements qui assurent la verticalité de la pensée. Où est-ce que j'ai pris ça? Oui, je l'ai certainement pris dans mon enfance au monde. Oui, je l'ai certainement pris avec ma grand-mère qui n'hésitait pas à planter des dachines et des choux pour nous donner à manger avec un avocat. Oui, je l'ai certainement pris à Trenel, vagabondant avec mes amis, mes frères de rue, mangeant peut-être qu'une fois et me suspendant derrière la tuma pour aller à l'école parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer le ticket de bus. Oui, mais je l'ai pris quelque part, un seul endroit, à une voix, une seule voix qui a résonné en permanence, à la fois pour tout le monde, dans le monde entier, pour lutter contre toute forme de xénophobie, de racisme. Mais je l'ai entendu aussi dans la voiture, sous la route de la trace, avec cet homme qui m'a appris les choses essentielles pour me dire ce pays-là est un pays d'avenir, qu'il faut absolument créer une Martinique nouvelle, une Martinique de progrès, une Martinique d'ambition, une Martinique d'initiative, une Martinique décomplexée. Eh bien, c'est cette Martinique décomplexée que je vous propose pour les 5 années qui viennent. Cette Martinique puissante, cette Martinique créative, cette Martinique de combat, cette Martinique d'ouverture au monde, et pas une Martinique fermée à soi, une Martinique debout, une Martinique capable de créer de l'activité et à donner de l'emploi, une Martinique qui parle à l'Europe, à la France, au monde. Puissant et capable de penser l'avenir avec fierté. Merci beaucoup.